بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي شرح لي صدر ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني أفقه قولي بفخير السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو إن شاء الله دي جن دي صلى الله عليه وسلم notre exemple, notre modèle, jeûnait le lundi مدل جني jeudi. Et quand il و été questionné Pourquoi est-ce qu'il jeûnait le lundi et le jeudi Il a dit parce que les œuvres sont exposées à Allah le lundi et le jeudi, et il aime. que ses œuvres soient exposées alors qu'il est en état de jeûne. Donc bien sûr, nous on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on veut tout faire pour lui ressembler. Ben, une parmi les choses qui nous permet de suivre sa ce sunna, c'est le fait de jeûner. Cette adoration-là est immense. Pourquoi Premièrement, c'est un bouclier. Le prophète alayhi a dit « Asawmujunna ». C'est une protection. Okay? Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un autre hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim, que quand on jeûne, un jour, subhanallah, un jeûne surrogatoire, pour Allah subhanahu ta'ala, il éloigne notre visage de l'enfer de 70 ans. Subhanallah. Donc, on gagne énormément en jeûnant. Sans compter qu'Allah ta'ala nous accorde son amour quand on jeûne. Dans le hadith d'Abu Hurayra, qui est rapporté par le même Al-Bukhari, le prophète a dit qu'Allah subhanahu ta'ala a dit « Allah azza wa dit que mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que ce que je lui ai imposé. » Les choses qu'Allah aime le plus, c'est les actes obligatoires. Et bien sûr, quand on parle de jeûne surrogatoire, vous êtes bien d'accord avec moi, enfin je l'espère, que pour ce qui est de l'obligatoire, normalement l'histoire elle est classée. Ça veut dire que parmi vous, je l'espère de tout cœur que tout le monde fait la prière, obligatoire je parle, que tout le monde jeûne le Ramadan, tout le monde sort la Zakat et tout le monde espère faire le Hajj. Fait les causes pour le faire si cela n'a pas été encore fait. Donc, bien sûr, il y a une priorité dans les actions. Il y a beaucoup de gens qui vont délaisser l'obligatoire et qui vont se diriger vers le surrogatoire quand tout va mal. Non, attention, Allah, ce qu'il aime le plus, c'est les œuvres obligatoires. Puis après, Allah, dans le hadith, il dit Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Voilà ce que tu gagnes en fait en multipliant les œuvres surrogatoires. Tu gagnes l'amour d'Allah. Et si tu as gagné l'amour d'Allah, Wallahi vim, mais quel succès, quel succès, c'est immense Jusqu'à ce que je l'aime. Donc plus tu vas œuvrer dans le surrogatoire, plus tu vas gagner l'amour d'Allah Et Allah il dit et quand je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il attrape, ses pieds par lesquels il marche. Et s'il me demande quelque chose je le lui donnerai et s'il cherche refuge auprès de quelque chose et eh ben je euh, le lui accorderai. Donc si tu cherches refuge auprès d'Allah Allah, wa Allah wa il, va te, il va te protéger. Et rapidement, après avoir vu que le prophète sallam jeûnait jeûné le lundi et le jeudi et je n'ai pas que ça d'ailleurs il je n'ai trois jours par mois, il n'ai énormément alayhi salatu wassalam et eh bien regardons les compagnons. Le Protons, vous connaissez sûrement le hadith quand il a dit qui parmi vous aujourd'hui jeûne. Et Abu Bakr radhiyallahu nous de dire moi. Donc on voit qu'Abu Bakr radhiyallahu il avait l'habitude de jeûner. Abdullah ibn Omar, il enchaînait le jeûne. Aïcha, elle enchaînait le jeûne. Elle jeûnait beaucoup. Hafsa, une des femmes du prophète, quand le prophète, il l'a répudiée, Jérôme, il lui a dit, reprends-la, reprends-la. Et il lui a dit, Fa sawama Elle jeûne et elle prie la nuit. Est, subhanallah, c'était la qualité des pieux prédécesseurs. Ils étaient comme ça. Et même avant la mort de certains pieux prédécesseurs, comme Amr ibn Qais ils pleuraient. Pourquoi il pleurait parce qu'il allait quitter la Dunia, là où il pouvait jeûner pendant... Euh Comment s'appelle des jours où c'était surrogatoire et il pouvait prier la nuit. Et il n'était pas le seul, il y avait aussi Amr ibn Abdillah qui pleurait au moment de sa mort. Pourquoi Parce qu'il allait quitter le bas monde où il, il aimait jeûner. Il y trouvait un immense plaisir de pouvoir jeûner. Muad ibn au moment de sa mort, il dit Allah, je n'ai pas aimé ce bas monde pour les rivières qui coulent, pour euh, les arbres de la Dunya, etc. Pas pour sa beauté, ça. Non, mais il dit qu'il l'a aimé. Pourquoi Pour jeûner quand il fait chaud. Subhanallah, il y avait même des pieux prédécesseurs qui s'encourageaient à jeûner quand il fait chaud. Pourquoi Car la récompense elle était grande. Et on parle bien sûr de jeûne surrogatoire, car le jeûne obligatoire, le musulman le euh, jeûne tout simplement, qu'il fasse chaud ou froid. Mais là, le jeûne surrogatoire, c'est vrai que quand il tombe en été et qu'il fait très chaud, etc., c'est pas facile. Mais eux, ils savaient que la marchandise d'Allah, c'était le paradis et qu'il fallait en payer le prix. Et Muad ibn Jabal, il dit que ce qui l'a fait aimer, la dunya, c'était le fait de prier la nuit, de jeûner le jour. Quand il faisait chaud et de fréquenter les assemblées des savants. Voilà pourquoi ils aimaient la dunya. Par contre, une chose importante, quand vous euh, jeûnez, je parle du jeûne surrogatoire, soyez discret. Daoud ibn Abi Hind, comme le rapporte Ibn Jawzi dans ses dans c'est un homme qui a jeûné pendant 40 ans des jeunes surrogatoires sans que sa famille ne le sache. Il sortait, il prenait ses, ses paniers et repas et il euh, en faisait aumône. À des gens dans la rue et le soir, ils rentraient, ils mangeaient comme si de rien n'était. Voilà, faut être discret. faut s'habituer à être discret. Il y a des gens qui vont jeûner le lundi et jeudi et qui vont le dire à tout le monde. Ils vont jeûner trois jours par mois, ils vont le dire à tout le monde. Ils vont jeûner un jour sur deux, ils vont, de... ils vont le dire à tout le monde. Et vous le savez que le meilleur jeûne, c'est le jeûne de Daoud il jeûnait un jour sur deux. Donc tu vas jeûner, ne le dis à personne. Ne le dis à personne, sois discret. Fais qu'il y ait des adorations que seul Allah connaît. Pourquoi Pour te mettre à l'abri de l'ostentation. Euh, D'ailleurs, le Prophète il dit Allah Al-Taqi, Allah aime le serviteur pieux, Al-Rani, le riche, riche du cœur, et Al-Khafi, le discret. Sois discret. Sois discret dans tes adorations. Et c'est comme ça qu'ils étaient. Donc le jeune c'est une protection. Le jeûne, c'est euh, un moyen de se préserver du feu de l'enfer. Le jeune, il y aura une porte qui s'appelle Al-Rayyan, Yawm Al-Qiyamah. C'est une porte où euh, seuls les jeûneurs y auront accès. Il y a énormément de mérite pour le jeune. Ce que je vais te demander, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, c'est après cette vidéo. Tu, euh, comment ça s'appelle, euh, te mets d'accord avec ton âme de l'éduquer. C'est pas à elle de te dicter ce que tu dois faire, c'est toi qui dictes à ton âme ce qu'elle doit faire. Tu lui dis à partir de maintenant, on va jeûner le lundi et le jeudi. On commence par ça. On jeûne le lundi et le jeudi. Okay? Et si tu es marié, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, motive ta femme et toi, motive ton mari afin de ne pas faire cette adoration seule et vous vous, vous retrouvez beaucoup plus fort. Okay? Motivez-vous. Motivez-vous aux jeunes, d'accord Et demande à Allah subhanahu wa ta de t'accorder la sincérité et la force de pouvoir faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et euh, sache-le, euh, Al-Aswad Al rahimallah, il disait, lui qui jeûnait beaucoup au point où son visage euh, changeait de couleur et les gens lui disaient « Mais pourquoi est-ce que tu te fais autant de mal ?» Il disait « Celui qui veut le repos, délaisse le repos. » En deux mots, si tu veux te reposer là-bas, ici il va falloir que tu te mettes au boulot, Qu'Allah Ta'ala ta me facilite ainsi que vous de jeûner le lundi et le jeudi et de jeûner trois jours par mois et de multiplier le jeûne surrogatoire. Bien évidemment, euh, on ne fait pas les actes surrogatoires en délaissant les actes obligatoires. Ça, ce n'est pas un équilibre dans la compréhension de notre dîne ni dans notre pratique. Qu'Allah Ta'ala nous facilite d'éduquer notre âme à faire ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala aime et à délaisser Shahwet Dunya, hein, les passions. De la Dunya pour faire plaisir à notre Seigneur Jalafiyola, qu'Allah azza jal me facilite ainsi qu'à vous de euh, jeûner et de répandre cette Sunna autour de nous. Aujourd'hui, je te demande qu'une seule chose, c'est partage un maximum, un maximum, un maximum cette vidéo afin d'encourager les gens à faire une adoration que peut-être ils n'ont jamais fait jusqu'à présent. Il y a un début à tout. الله عز وجل اكسبت نزار نزار أصلى الله سبحانه وتعالى ان ينفعني بما وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما اعلم الله عز وجل اعلى واعلم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب اليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته